syndiquer, c'est grâce à des camarades qui sont venus nous expliquer les enjeux de la syndicalisation et de s'intéresser à son entreprise et de s'intéresser à ses intérêts. Et la CGT, parce que déjà, j'ai des idées politiques qui font que je suis plus sur un syndicat qui va proposer de changer plutôt la société que uniquement l'entreprise. On a besoin de syndiquer militants aussi après pour faire fonctionner le syndicat. Voilà, ça va dans toute notre démarche d'action revendicative et collective. Si on n'a pas de syndiqués sur le terrain, on ne peut pas savoir ce que pensent les collègues, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont envie pour après faire émerger les revendications et les porter auprès de notre direction ou de notre directeur général. Nous qui avons un salaire tous les mois, on n'a pas de travail précaire, du coup, les collègues voilà, pensent qu'on est un peu en décalage. Ou, donc, après, on essaye de leur dire que justement, on doit être là aussi pour un public fragilisé, que moins on est nombreux, bah moins on peut soutenir et aider ce public, parce que voilà, on est des fonctionnaires, on tient à cœur ce service public et surtout auprès des plus démunis. Si j'ai choisi de me syndiquer, c'est parce que je souhaitais que cette société change et qu'on puisse se défendre pour la changer. À chaque génération, je dirais, les attentes sont très différentes au niveau des salariés. Donc je crois que c'est important qu'ils fassent entendre leurs attentes et qu'ils bougent les syndicats qui forcément reflètent d'autres générations, d'autres expériences, qu'ils fassent ensemble à la fois leurs expériences et puis un nouveau syndicat. Voilà, un syndicat CGT qui soit complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Nous voulons plus de sangliers. On a quand même du pot qui s'est fait ça aujourd'hui et pour lundi ou mardi. Hein. Allez, un poupou. Chariot. Il y a une chariot. Des boîtes à images, regarde des boîtes à images. Visiteur quand la voiture arrive hein quand même. Oh yeah, chevalier. C'est celle qui a la glucose. Il n'a jamais enceint.